Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Cooking Culinaire. J'espère que vous allez bien. Alors si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me fait vraiment plaisir. Et pour ma part, je vous présente aujourd'hui une recette de fondue de poireaux avec du poulet mariné. Et on passe tout de suite à la préparation. Pour les ingrédients, on a besoin d'environ 400 g de poireaux, de la crème fraîche, d'huile vierge, 20 g de beurre, environ un demi-citron, du sel et du poivre. On a besoin de cubes de poulet, blanc de poulet, donc d'environ 2 cm, une cuillère à café de moutarde, une cuillère à café de sauce soja, des épices, du curry et du poivre noir, un poivron rouge, des piques à brochettes et on prévoit une petite échalote qu'on ne voit pas sur la vidéo. Alors, on commence par émincer le poireau qu'on aura préalablement lavé, retirer tout le sable qu'il peut y avoir. Ensuite, dans une poêle, on va mettre le beurre plus une cuillère à soupe d'huile vierge. On laisse fondre et ensuite, on va verser nos poireaux coupés. Et on ajoute le sel et le poivre noir. On mélange tout ça et puis on va couvrir les poireaux et on va laisser cuire environ 10 minutes. Ensuite, on va passer à la préparation des brochettes de poulet. On commence par couper le poivron rouge en petits morceaux d'environ 2 cm, 1 à 2 cm, et on va les laisser de côté. Ensuite, on passe à la préparation du poulet. Donc là, on récupère nos cubes de poulet, on ajoute la cuillère de moutarde, on ajoute la sauce soja et les épices, donc le curry et le poivre noir, et on mélange tout ça. Alors, on n'ajoute pas de sel parce que la moutarde et la sauce soja sont très salées. Ça suffit largement. Enfin, on récupère l'échalote et on va la râper, l'ajouter au mélange de poulet. Donc, soit une échalote ou un petit oignon, hein. On mélange tout ça, on laisse 10-15 minutes au frigo, le temps que ça prenne, que les saveurs se mélangent, et ensuite on passe à la préparation des brochettes. Donc les brochettes, c'est très simple. Vous mettez du poivron rouge, vous mettez 2 cubes de poulet, un morceau de poivron rouge, 2 cubes de poulet encore, et on termine par du poivron rouge. Voilà, les brochettes sont maintenant prêtes. On passe à la cuisson. Alors, soit vous avez un barbecue et là le goût est meilleur, c'est vraiment le top. Soit vous faites comme moi, vous les faites cuire dans une poêle avec une cuillère à soupe d'huile vierge, tout simplement. Et vous les faites cuire environ 6 minutes de chaque côté, voire un petit peu plus, hein, jusqu'à ce que ça prenne une couleur dorée. On termine la préparation de la fondue de poireaux. On ajoute donc du citron, environ 2 cuillères à soupe de citron. On mélange et on ajoute encore 2 cuillères à soupe de crème fraîche et on laisse cuire encore 5 à 10 minutes. Voilà, mes préparations sont maintenant terminées. J'ai ma fondue de poireaux, j'ai mes brochettes de poulet, donc j'ai préparé du riz nature pour avoir une assiette équilibrée et on passe tout de suite au dressage. Et voilà le résultat final. J'espère que ça vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas de vous abonner, commenter et liker. À très bientôt!